Un peu déçu par rapport au résultat, parce qu'en fait, en élimination, on n'avait rien à perdre. On prend un but sur penalty, ce qui est un peu dommage. Et après, on s'aperçoit qu'en deuxième mi-temps, on a réussi à prendre conscience que voilà, on pouvait faire quelque chose. On a plutôt bien joué, on s'est créé pas mal d'occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Première mi-temps délicate où on perdait la balle très très vite, trop vite. Le coach a bien rectifié les choses à la mi-temps et je trouve que la deuxième mi-temps était de belle facture. C'est dommage qu'on ne ramène pas un point, je pense qu'il y avait la place. Il y avait plus que la place. Je pense que on a eu une entame difficile, une première demi-heure très difficile sur le plan technique. On était bien structuré sur des aspects défensifs, sur des aspects blocs, mais on perdait systématiquement pratiquement le ballon sur la première relance, sur le premier contrôle. On a eu un peu de mal en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, voilà, on a relevé la tête, on a montré qu'on avait du caractère nous aussi. C'est pas parce qu'ils ont des grands joueurs qu'on va se laisser marcher dessus. Et voilà, quoi, on est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Après, manque de réussite devant, mais bon, c'est pas grave. Il faut encore travailler pour concrétiser des occasions et avoir de meilleurs résultats. Je trouve que les garçons ont fait un beau match et j'espère qu'ils vont le garder en mémoire parce que voilà, ils sont capables d'élever leur jeu, même s'il manquait des cadres. Bon, on a vu que ça jouait bien au ballon en deuxième mi-temps. Voilà, je pense qu'ils font tirer du positif. J'espère que nos supporters à distance et ceux qui étaient présents au stade ont apprécié cette deuxième mi-temps. Il faut s'en servir comme socle pour les quatre matchs qui viennent et aller chercher maintenant des points. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pris un point. On s'est créé beaucoup de situations et je pense qu'on aurait mérité de marquer, ce qui nous aurait permis de ramener un point ce soir. Et voilà, on aurait été satisfait de ça, mais il nous a manqué encore l'avant-dernier ou le dernier geste, de concrétiser notre bonne situation. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est frustrant. Maintenant, il faut positiver dans la mesure où on a démontré beaucoup de très bonnes choses. Mais après maintenant, le match de Paris est passé, on n'a pas réussi à prendre les 3 points. Et on a un match mercredi important, je pense qu'il va falloir bien récupérer et faire un gros match mercredi pour ramener les 3 points, enfin obtenir les 3 points à la maison. Quoi. Et j'espère qu'on pourra compter sur nos supporters parce que contre Rennes, ça va être très très important et tous ces jeunes joueurs méritent beaucoup de solidarité, beaucoup d'appui et de soutien.